Bon, on parle aujourd'hui, dans le fond, du retour des communs. C'est un mot qui a surgi dans les mouvements altermondialistes. Pour le comprendre, je pense qu'il faut comprendre l'échec du socialisme et l'échec de la social-démocratie et une espèce de soif de renouveau dans la gauche, chez les jeunes en particulier. Le retour du commun, c'est le retour à l'idée qu'ensemble, en dehors du marché, en dehors de l'État, on va contrôler notre production, nos vies, notre éducation, notre santé. C'est l'idée de travailler ensemble, mais sans avoir aucun objectif de propriété, qu'elle soit privée, publique, communautaire. C'est de sortir de la propriété et de vivre ensemble, avoir un pouvoir parce qu'on travaille ensemble et qu'on partage des intérêts communs dans un domaine quel qu'il soit finalement. Colette Saint-Hilaire, je suis une retraitée de l'enseignement. J'étais prof de sociologie au Collège Édouard-Monty et je suis traductrice.